monde, bienvenue sur Palmi Sakma pour la caille. Je viens nous porter quelques précisions. Ou qui ka edo, nous a fait ma propre partie, ma bon visa. En plus, le monde a une logique ça. Et nous allons parler particulièrement de monsieur ça. D'ailleurs, depuis c'est blanc qui a fait, même c'est plus mal. Ils sont blancs liés, un journaliste. Il est débarqué dans le pays d'Haïti et il est dans plusieurs médias. Et puis après, on est. Et. Monsieur, c'est pied quoi comme ça? Dans tous les médias, il est informé que il est venu pour recruter infirmière haïtienne. Ok? Et il déclarait que Canada a besoin d'infirmières. Qui sont vérités quelque part? Il pense que pour personne monde que Canada, c'est un pays qui manque de bras, manque de main-d'œuvre. Et pour cela, Canada a des programmes vraiment pour les travailleurs qualifiés. Pour aller sur le website gouvernement, qui est sous officiel et pour informer. Et monsieur, sur tout réseau, d'ailleurs, monsieur, sur tout, monsieur Gonkan parle maintenant dans TikTok qui a gagné 300 000 views. Il a gagné 100 candidats qui ont complété et formulaire en ligne. Et monsieur déclare objectif lui, c'est pour lui sélectionner 250 infirmières avant 15 décembre, date qu'elle supposait retourner dans le Canada. C'est ça que le bail dans la campagne là, un peu partout. Et bien entendu, il y a un bon monde qui fonce sous lui. Et en plus, les médias bannent quelque part. Ok? La vérité, c'est quoi? Et Canada, ambassade a été obligée de répondre, puisque la campagne est une énorme un peu partout. Ambassade Canada, dans le pays d'Haïti, mais ça dit. Il dit, Canada n'est pas au courant de un programme mis en place par le journaliste canadien Pierre Côté. Comment bien logique, là, je vais expliquer nous-mêmes, nous comprenons ça. Parce que c'est lui-même qui est journaliste, il est venu. C'est comme quoi c'est par l'intermédiaire de lui-même. Il dit, pas au courant de programme mis en place que le journaliste Pierre Côté a. Ok? Ambassade Canada en Haïti, il dit population pour le faire. Attention, faire vigilance, ça nous est arnaqueur. Nous même n'a pas la voix là, nous connaissons en pile dans nos diaspora. Les Haïti qui ont un programme ça, c'est nous pouvons y cobrer. Ok? Donc, Canada et l'ambassade Canada en Haïti, il dit avis à tout Haïtien haïtienne. Veuillez noter, l'ambassade a dit ça, que le Canada et le Québec ne recrutent pas d'infirmiers ou d'infirmières en Haïti présentement. Prenez garde aux arnaques. Ok? Et il continue à vous dire, malheureusement, offre d'emploi frauduleuse pour aller au Canada pour augmenter chaque jour. Et yo ba nou côté nous capable protéger tête nous contre causer ça. Donc message d'écoutement que journaliste et il dit que yo pas supposé prendre au sérieux puisque ambassade Canada c'est instance c'est lui même qui vous bon que ce soit immigrant visa ou bien non immigrant visa c'est dans ambassade là pour passer, il dit pas au courant. Il dit pas au courant. OK. Donc, son anak. Maintenant, ça fait nous venir parler ça. C'est justement nous voulons faire lumière. Très bien, guys. Et quel que soit ça, on a fait pour nous, dans le cadre, on dit bon, il va faire une visa pour le Canada, il parle de programme. Cherchez-vous, posez la question. OK, qui programme il y a dans le cadre qui ça? Côté me cache pour mal garder tout. C'est comment ça va tout là? OK, présentement, moi, attendez, je ne vais pas parler à ces personnes. Il y a des groupes. Moi, je fais vidéo. Regardez bien ça, ma moi, pas, c'est pour une accusation, ma fait, mais ma demande qui j'en passe, ma connais un groupe ça, ma fait accusé. C'est un groupe d'Haïtien, yo dit, y a fait recrutement pour moun, et yo même pral fait interview dans le cadre H2B, H-Visa. Yo pral fait interview pour ou, ba téléphone moun nan Haïti, bagay yon logique ça. Maintenant, ça me dit, nous. Moi, en fait, moi-même, j'ai un pilote de tout. Parce que l'information est passée, je ne veux pas dire. J'ai un petit peu de débat qui n'a pas qu'un bé, puis pour mon au courant, pas de cause, mon pral fait H2B visa pour le faire. Premièrement, c'est pour chercher un job pour. Ok? Parce que le message ça a passé, puis pour mon au courant de lui. Ok? Donc, si monsieur t'a pral pour dire, ma ban visa, il est obligé de dire, mais ça là, il y a la difficile pour ne pas inventer ça. Ok? Maintenant, et nous-mêmes, nous avons logique là, nous d'où qui s'allie. Et nous avons un côté pour aller sous table faire des manches ou contre. Maintenant, il y a des instances qui sont là, qui disent qui ça. Mais ça vous dit,
Yo di ap pran nan moun. Et yo même di ap fè interview. Mwen mwen ta souhaite que, tande bien, yo gen dwa pa bay manti. Parce que même ça vous comprend, nous vous aurez nous bien. Nan kadre H2B, H2E visa pour les États-Unis. Bien parfois, yon compagnie quelconque, li gen dwa farme, li pa fè recrutement, li délégué job sa by a third party que yo le recruteur, c'est yo gen pile moun ki gen business comme ça pour yo chercher moun pour mettre travail dans notre compagnie. Donc maintenant si on nous ta jwenn contrat ça, on vient dit si que yon compagnie et que c'est dans domaine non compagnie en Bordeaux, bon en le terme compagnie ça ou pas gen direction ressources humaines, ça veut dire yo délégué un third party qui joue rôle recrutement pour eux, ça fait souvent. Maintenant, on a dit que on a ici dans le business, ils jouent nous deal comme ça. C'est une éventualité. Et que gagner une compagnie, et dans le business, qui mettait dans le job recrutement. C'est un cas de figure à ce moment de la durée. Et compagnie haïtienne, ça, la travaille pour le business, la cherche mon boulot. La joue rôle de recrutement. Mais on même tout ou ka poser question, OK, ou ap interview même là, c'est pour qui compagnie? Vous comprenez? Bon nan compagnie. Est-ce que vous comprenez? À ce moment de la durée et me faire vidéo sur ça boy site là, ou ka aller sur site là pour voir compagnie ça. OK? Et ou ap voir tout compagnie ça, li ba information dans mode de recrutement. Parce que gen des compagnie qui sont sur leur application, li doit voir sur un third party qui pour faire application. Ça me dit pour H2B, H2E visa, mais pour n'importe monde qui a fait une démarche pour vous, ou qui a toujours posé la question, ou dit OK, qui nous accompagne, qui va. Parce que, bon, ensemble de bagailles, ben, c'est si pour nous là, pas rien qui dans le secret des dieux. Parce que si vous allez sur le website du gouvernement Canada, ou après toute démarche, ça nous est des travailleurs qualifiés, ils étaient toujours là. Les grandes démarches, effectivement, Canada, le Québec, il y a des programmes qui sont sous son professionnel, qui sont capables d'entrer les grandes démarches. Moi, je me dis que je suis un bon travail pour moi, il y a un peu l'homme parfait, parce que c'est un bon travail. Il m'a dit pour moi, si son professionnel, lui, si mon avez un ensemble de papiers pour le traduire, pour l'équivalence, un ensemble de tests, et puis, après, vous êtes capable de mettre en ligne, il y a un programme qui est les travailleurs qualifiés pour le Canada. Changez d'autres programmes, effectivement, pour le Canada. Mais quelque chose ça, mon appareil, là, vous êtes capable de dire, dans quel programme ça y est? Qui compagne ça y est? Vous posez deux trois questions, tout, et puis vous attendez à l'heure, vous êtes sonné de la voie de chercher. En bonne, il faut joindre ni. Il faut joindre ni, vous n'avez pas dit, ça, son programme est sérieux, vous n'avez pas dit comme ça. Ok, so, faut joindre ni, amis, bam. Dans quel type de programme ça va dire non? Parlez-moi de lui. Bon, mon compagnie. Au début, on tape, on doit croire qu'effectivement, compagnie, ça va chercher le monde. Ou là? Ces informations sont disponibles pour tout le monde, je ne veux dire. Nous allons quitter le monde. Nous allons quitter le monde à couper le coup comme ça. Donc, là, je parle de monsieur ça qui te dit. Parce que maintenant, moi, ça me trouve étrange. Fait c'est pas un tizami son bagage qui formel même de trouver l'étranger un grand monde délégué pour dire pour son journaliste ou venir chercher moun ça s'appelait dit il donne un sens pour moi pour venir chercher un monde dans cadre pour bien si c'est un sens généralement les bails ça fait grand démarche formel et là on va sur website il faut regarder qui website faut regarder OK so comme vêtement du et pour me quitter mon yo de temps en temps pile mon victime au mon programme là voilà game Canada là on m'a donné $4,000 on m'a donné $5,000 ou même qui aurait dit contre quoi voyer $4,000 $5,000 et puis tu pas grand et fait vraiment vous comprendre it just doesn't make sense. Je pensais que c'est même genre dernièrement grand monde qui t'a fait un bagage pour visa mon a parlé de visa touriste mes amis pour les États-Unis mais même qui n'a dit mes amis font pas une nouvelle tout. Qui quoi te cap bagage à tout ce moment là? Te cap bloqué bagage ça. On dit même les monde t'a besoin. Ou t'a besoin pour magou, t'attend au moins les ouvrir commencer à accepter visa touriste, yo pas même commencer à accepter eux même.
Vous comprenez? So, it just doesn't make sense. Donc, voilà, guys, justement, moi, t'es les beautés et informations, ça. Maintenant, 4H2B, j'en dis, nous avons des vidéos côté que vous avez des listes de compagnies qui sont capables de checker, qui sont capables de briller. Maintenant, ça nous connaît vrai. Attendez bien ça, dame. Il y a des compagnies qui ont relé, qui ont dit qu'ils ne prennent pas ici. Il n'y a pas une question de discrimination, non? Il y a des compagnies, attendez bien ça, Mabdoula, ils ont habitué à prendre un groupe de communauté. Pour plusieurs raisons, si je prends deux trois haïtiens, haïtiens ça pas bon en anglais. Ça arrive au prendre une nuit, il gagne, il dit bon, mon bon bon monde qui parle espagnol, mon grand monde qui parle espagnol. À son exemple, compagnie vient de dire ça. Et il y a compagnie qui a dit tout limando faut mon nom te ka font ti dégager soit dans une langue ça. Soit en espagnol ou bien en anglais, c'est le fait que les gens arrivent sur le lieu de travail, ils ne peuvent pas attendre, ils ne comprennent pas rien. Ils commandent pour les gens, justement, si les gens entendent anglais, entendent créole. Il y a d'autres qui ont dit, ils font les gens en Haïti à eux même parce que c'est le besoin de job là. Par contre, vous comprenez. Ils ont dit, ils font les gens email lead en particulier parce que c'est les gens qui ont des compagnies en termes de formalité. Ce n'est pas au cap chercher job. Il y a pas roman qui ka di OK et c'est moun nan même en personne qui pourrait le yo ou bien moun nan si moun nan gen pas anglais pas bon moun nan qui pour email yo à ce moment de la durée ou capable gen un email de format ouvert ba moun nan Haïti moun nan email compagnon ou ça me dit là gen compagnon qui gen plus formalité que d'autres. OK, mais démarche ça c'est ça lié. Mais j'en dis, nous ne pas cacher que il y a des fermiers qui ont une base. Grand boss qui ont habitué à travailler, qui ont brassé sur table de l'élevon. Ils disent, j'ai besoin d'employer là. Mais ils disent, mais ok, je ne vais pas employer, patron. La guédo, c'est ça, non? Ok, et then, next ça qui c'est boss, ils vont avoir, ils font deal. Et puis, ils font un petit cob. Et puis, ils mettent non. Et puis, et farmer la même fait application pour vous. Il y a des deals qui fait comme ça, c'est toujours gagné. Vous comprenez? Il y a des deals qui fait dans ce sens ça vraiment vrai. Nous avons expliqué bien, nous avons dit monsieur qui qu'on a cherché moun pour farmer déjà. Depuis, on avait dit des moun, même lorsque pas de programme, vous entendez bien, il y a toujours job, c'est chercher travailleur. Mais il faut d'accord, je ne dis pas, papa, tu es tout menti, joindre moun qui pourra travailler dans le champ. M'a dit l'impossible extrêmement difficile. Jouer le monde qui gagne papier pour aller travailler dans le champ. Parce que même compagnie normal, yo y a plein en pile restaurant à plein yo pas gagne monde. Donc pour qu'a comprendre ça, ça veut dire raison hein? De plus qui fait que gagne ensemble de compagnie qui dit ah, m'a pas quitter business moi fermé, son opportunité, son corps qui gagne. Donc m'a justement solliciter des travailleurs de l'étranger. Donc c'est justement comme ça dossier à y guys. Donc voilà, moi j'ai justement voulu porter points d'éclaircissement ça pour nous. C'était un véritable plaisir, bye bye tout le monde.